Salut les Vendrios! Vendrios, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle saison avec notre ami Hansbert. Donc je suis là pour sponsoriser ma saison 2 en fait de Un été à la maison. Dans lequel nous avons la chance de jouer d'ailleurs, oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Hansbert l'Américain pour visionner cette saison 2 qui est dingue. Oh, nous allons faire une dégustation KFC, donc c'est une marque un petit peu comme McDonald's de la vidéo et dans le petit i quelque part. On connaît pas KFC. Je ne sais pas ce que ça signifie. Quentin. Fabrice et Corentin. Les trois grands créateurs du KFC. Alors, unboxing d'abord. Ouais. C'est tellement dégueulasse. Là, on a une boisson. Il y a des frites éboulinantes de gras. On a des pop-corn, les petits burgers. Voilà. Des tenders. Petite glace déjà fondue. Ainsi qu'un cookie. Alors, déjà, on peut remercier Hansbert de nous avoir attendu pour manger. Non. Moi, je bois d'abord. Moi, je suis Sandra. Moi, j'ai une super foutre. On va pouvoir trinquer avec nos hamburgers. Hansbert qui a déjà fini de manger. Mais non, j'ai pas fini, mais mon hamburger, il est là. Chine. On enrichit la vidéo avec des petites anecdotes. Des petits fun facts. Putain, il faut que je vous parle de ce qui m'est arrivé cette nuit, c'est même pas une blague. Je me suis réveillé en pleine nuit avec une douleur atroce ici. Et je savais pas quoi faire. Parce que ça me faisait très très mal et à un moment j'ai hésité à appeler les urgences. Pour Michel. Et en fait, je vous cherchais quand même des gens connectés sur les réseaux pour leur demander conseil. Ce bon Raphaël que vous pouvez retrouver dans la série Un date à la maison. Qui m'a dit, prends de l'eau chaude avec du miel. Mon nom, le conseil de grand-mère. Bah, figurez-vous que je me suis endormi directement après. Bon, petit débrief actuel, qu'est-ce qu'on en pense de ce repas? Franchement, c'est dégueulasse. Je suis déçu par mais cette c'est ouf, KFC d'habitude quand je mange, c'est bon, là. Là, je sais pas, y'a un problème. Ouais, pareil, d'habitude c'est bon, mais là. Alors, du coup, cette vidéo ne sera pas sponsorisée. On annule le sponsor. On annule le sponsor avec KFC parce que c'est dégueulasse. Les frites sont froides et grasses, c'est immonde. Hansbert, tu vas nous dire deux anecdotes vraies et une fausse. Attends, mec, j'ai rien préparé en plus, donc. Mais nous, t'as deviné. Tu me prends. Au dépourvu. J'étais en vacances en Auvergne et je suis parti à la piscine, vous voyez. Moi je vais dans le jacuzzi. Et là je me dis, bah, j'ai bien kiffé ma race. Je vais sortir, je vais retourner dans la piscine quoi. Et là je me lève et je me retourne. Ma soeur se rigole et elle me dit, Hansbert, t'as un trou dans le caleçon au niveau de l'arrêt. Au même moment, je me rassois dans le jacuzzi et je fais, bon, je vais rester un peu quand même, un peu de ce temps. C'est vrai, totalement vrai. Ouais, vrai aussi. C'est peut-être vrai, ouais. Bah où? Bah chauffer ça parce que c'est froid en fait. Une anecdote vraie ou fausse? Ah, quand j'étais petit j'avais un jeu. En fait j'ai des prix en bas de chez moi. C'est vraiment infâme. C'est vraiment pas bon. Le jeu que j'avais, c'était quand les vaches étaient dans la zone de la clôture. J'approchais d'elles un maximum. Et je les provoquais pour qu'elles me coupent. Et mon objectif était de courir très très vite jusqu'à la barrière avant de me faire piétiner. Du coup c'est vrai ou c'est faux? Je dis que c'est vrai. Ouais, c'est plus vrai. Total. Cette dernière bouchée, mais ça, quel plaisir. J'étais au lycée, vous voyez. Et genre, il y avait une meuf là. C'est vrai. Ah, mais t'avais pris des chicken wings en plus. Des tenders, connard. Ah, pardon. Alors, non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, c'est un nom, cette merde. Parce qu'en fait, ça a coupé. Du coup, tout ce qu'on a dit, on va être obligé de le redire. Voilà. Donc, j'avais une anecdote, il va falloir deviner si c'est vrai ou faux. Ok. Je dirais que c'est faux. Ah, bah, t'es perdu, c'était vrai. Putain! Aller au bar Emporium Galarium, à Rouen. 149 rue Beauvoisine, c'est dingue. On y va assez souvent. Et si vous allez voir Adrien, le barman, vous pouvez lui demander. Un shooter. Un shooter au nom de Vendry. On a mis cette promotion-là. Si, il était pas au courant. Depuis quand? Depuis hier soir. Il coûte 2 euros seulement. C'est incroyable. C'est bon? Alors ça, c'est la seule chose bonne que j'ai mangée. Ouais. Tu vas mettre dans mes mains deux personnalités chauves connues. Vincent Lagaffe et... Ken Kojandi. Ken Kojandi. Non mais quelqu'un de pas chaud. Il y a beaucoup de cheveux. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Bah non. Si c'est chauve. Ok, big up à tous les chauves. Moi, je trouve ça infâme. Mais pourtant, toi, tu t'adores le KFC de base. Il a jamais goûté, c'est la première fois qu'on en mange. Oui, c'est la première fois qu'on en mange, mec. Ah, ok, pardon. Voilà. Moi, j'étais allé au PFK. Mais. Moi, des mois, Gigo, je vous laisse. Des gros bisous. Ouais. Daniel. Bah, attends. Non, c'est pas un bisou, c'est Gigo Daniel. Gigo Daniel. Ah, ouais. On l'a refait. C'est parce qu'on vient de manger de l'agneau. On l'a refait la blague et. Comme ça, tu peux le dire directement. Non, peut-être pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On
va revenir en force avec plus de vidéos, plus de contenu de qualité. Applaudissez encore cette incroyable personne. On remercie également Adrien, tu peux peut-être... Sandra, Emile, Hansbert l'Américain. Ciao tout le monde. Peace. Peace. Ma 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 ma